que c'est que ce bordel? Ils ont été foutus une chaîne. Bah attends, on va descendre dans le fossé, hein. S'ils croyaient arrêter une moto... Et voilà. Ils sont fous, eux. Tout ça parce que c'est privé. Viaduc qui est à part chez nous, il est immense. Faire voir le viaduc qui est vraiment juste à côté de chez nous. Voilà, là on est vachement haut. Inutile de dire, si je tombe, vous me revoyez plus sur la chaîne. Voilà, alors c'est une petite vidéo pour vous remercier des 5 des, attendez, j'ai un mouton dans l'œil, des 50 000 vues YouTube sur la chaîne. On les a dépassés hier soir. On est à, là maintenant, on est à, quand j'ai regardé en tasse, 50 330 vues. En, ouais, depuis ce matin, on a gagné plus de 300 vues. C'est énorme, les gars. Merci à tous. On est à 483 abonnés alors que je fais la vidéo. Merci énormément, les gars. Franchement, restez comme vous êtes. Ne changez pas. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Même ma moto, elle vous remercie. Puis bah voilà, les gars, c'est, je vous remercierai jamais assez, je pense, comme je l'ai toujours dit. Moi, pour moi, YouTube, les gars, je prends, on va dire, entre guillemets, soin de mes abonnés, entre guillemets, qui veut dire que je vous réponds tous, sans exception, n'importe qui. Certes, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais même si j'ai un jour, par exemple, j'ai 10, 15, 20 millions, n'importe un nombre d'abonnés en plus, je vous répondrai toujours, les gars. Je suis pas comme beaucoup de youtubeurs, entre guillemets, qui répondent jamais à ses abonnés. Comme moi, ça m'arrive d'écrire des messages à des youtubeurs qui me répondent jamais. Des gros youtubeurs à plus de 100 à 1 million d'abonnés, mais bon. Ils ont peut-être beaucoup de messages, mais quand je vois, ils en répondent deux, ils mettent des petits likes et puis voilà quoi. Ils laissent tranquille leurs abonnés. C'est, je trouve pas ça cool. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la vue là. Là, enfin, cet été, quand il y avait plus d'eau, là, ici, tous les poissons, ils étaient morts. Et un petit peu plus haut par là,
Bon, j'ai fait des vidéos où c'est que je sauve des poissons. Il y a un gros trou plus haut. Et il restait de l'eau. Bah, moi j'y étais dans l'eau, il y avait jusqu'à mon nombril, c'est-à-dire il y avait encore un mètre dans l'eau. J'y étais avec l'épuisette pour les ramener un peu plus bas du pont. Là-bas il y a beaucoup de flotte. Puis pour les sauver, je les avais relâchés là-bas. J'avais fait. J'avais vu un brochet de 1 mètre mort que j'ai mis sur ma chaîne. Il faisait 1 mètre le machin, il était mort. Des carpes et tout, enfin plein de poissons j'ai sauvé. Il y aura peut-être un peu de vent. Même si la GoPro a coupé énormément le vent. Alors je vais repartir faire un tour de moto les gars, parce que les vidéos c'est de 13 minutes environ la GoPro là. Ça fait plaisir quand même. Puis bah ça s'arrêtera à 13 minutes et puis... On est bien là. Pour faire un beau terrain de cross, on a une belle pelouse. Hein. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. En plus, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Il y a quoi? Il y a 2 minutes de roulage en moto. On a quand même un beau petit paysage où c'est qu'on est. Aïe. On va aller faire vite fait une petite pente avant que la GoPro s'arrête.
plus les gars. Je vous remercie pour les 50 000 vues YouTube sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars, go les 500. Vous me faites vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oh, cette flaque d'eau. Ah, il y a de la bécane qui vient. Hein. Application qui bug de fou. Je vais essayer quand même, mais j'arrive pas à foutre le...